C'est barricade pour venir l'école et puis les rues étaient désertes et en pile côté et surtout il y a des gros menaces puisque les rares automobilistes qui étaient aventurés dans la rue y ont été exposés et nous ouais en pile par brise de véhicules qui cassaient et en pile roche t'as voyé parce que mon yo t'es vlé que mouvement ça a quitté, folté largement suivi dans la mesure où il dit Jovenel, pas tant de raisons, donc faut qu'il fait main pays à sous lit. Donc toute semaine, là, j'ai dit, t'es gonti, période d'accalmie, mais hier, vendredi, t'es gagné. Grande journée de manifestation, mobilisation qui était annoncée sur l'ensemble du pays. Et de fait, plusieurs grandes villes pays a été répondu présent, tant qu'on a Cap-Haïtien, ville totalement loque, mis en balai. Idem, nous t'ai un correspondant en direct hier dans l'émission Intersection, qui t'a dit comment et mis en balai même les rares motocyclistes qui t'a essayé et fait transport dans la ville là, et ben, gagné une série de nègres qui t'a campé sous Domon Cap. Kalonè yo a roche, forcé yo rentré, et puis manifestation après, côté, j'en yo habitué vel, fel, yo bloqué, rentré sud, villa, ça veut dire, lo absot Port-au-Prince, pas gen moyen pour rentrer du tout, et sou ta va quitter, et mis en balai pour venir Port-au-Prince, c'est même bagaille là, go naïve. T'es sous tension, en pile étudiante dans la rue, même slogan, monsieur Sao qui déterminé, yo dit pas gars faire l'école du tout, tout autant, Jovenel Moïse pas tant de raisons pour le bail pays à blanche, Saint-Marc, même gens, Saint-Marc, manifestation dans ville Saint-Marc, yo mettait en pile barricade, j'avais dit dans début journée, hein, n'a pas rapporté correspondant nous, dans début journée, hein, t'es gagné quelques activités avec transport en commun qui tapait reprendre timidement, mais dans mi-temps journée, avec bonne barricade, que n'a guio t'es venu installer, pas de gain moyen du tout, pour te traverser, et c'est marrant, pour te soit algo naïve, ou bien reste nord pays, ou bien rentrer sous Port-au-Prince, pas de moyen du tout. D'ailleurs, non, c'est marrant, manifestant yo, en tout cas, on branche na yo, te dirigé yo vers bureau politique député circonscription Samuel d'Haïti, côté yo retiré tout matériel, tout document qui te gagné dans bureau, yo mette yo dehors et puis yo mette du feu sous lit. Nous t'étendez Samuel d'Haïti t'a protesté dans Radio Caraïbe hier contre situation si là et yo reproché Samuel le fait que le trop proche pouvoir. Mais Samuel d'Haïti qui t'a intervenu j'en dis là sur Radio Caraïbe hier t'a précisé que lui-même lui sensible à revendication peuple là. D'ailleurs son pouvoir qui pas réglé rien n'a cité député qui pas réglé rien, il dit de fait lui-même dans deux séances qui t'est faites, deux dernières séances dans la chambre député et pour la mise en accusation du président lui-même, l'été pour la mise en accusation, il était voté pour. Bon, certainement, il voté pour, nous t'es dit lui, si ou t'es venu réaliser voter pour, pas pourtant, hein, puisque c'est nous trois qui t'es voté. Bon, peut-être que c'est courant, l'été vin bas, et pour bas, elle a passé, mais de toute façon, Samuel d'Haïti, nous songez, bien avant le vote, et le, nous songez, les Petro Challenger, sous réseaux sociaux, t'as bas, pression, pour que moun yo dans circonscription yo interpelle député yo pour demander qui ça yo pral fait, est-ce que yo pral continuer avec président Sam songe Samuel d'Haïti te gen yon forte partie dans communauté Saint-Marcoise là qui te dit mais qui jan pour voter Samuel te répond pour le dit m'ap tande voix peuple là m'ap pral pour la mise en accusation. Samuel d'Haïti hier encore qui te rappelé que pour deuxième séance là qui s'est voté premier ministre là il était contre tout parce qu'elle pas quoi qu'elle était pas le réglant hein, mais ça pas protéger Samuel pour autant puisque quand même Samuel d'Haïti fait partie de la majorité
au à la Chambre des députés. Et ben dans Okaï tout te gen manifestation, plusieurs autres régions dans pays a te gen manifestation et Petit Gouave a annoncé lundi Yabral dans la rue etc. Jacmel était paralysé à cause de la pluie qui t'a tombé en pile la pluie fait pas de vraiment gen manifestation donc c'est comme sa journée hier la passée. Mais Port-au-Prince c'est en pile organisation des organisations de Amoun, des dirigeants politiques dénoncer comportement la police hier qui crasait manifestation ça. Alors que manifestation pour coup même rivé trop loin, c'est environ Bozon Delma 32, mais faut dit gain en pile monde ça témoigné détermination moun yo puisque déjà au démarrage, il y était plusieurs milliers. Nous imaginons si pas de gain la pluie parce que c'était gain quand même la pluie a pas de jambes suspendre même on en bas la pluie et nous voté que t'ai gain la manifestation hier là c'est que t'ai gain plusieurs branches, yo t'ap sorti tout partout, Pont Rouge, Cité Soleil, Champ de Mars, Pétionville, tout partout pour te vinn nan point rassemblement Bel Air tout point rassemblement et nan Carrefour aéroport. Alors yo te démarré même te témoin que manifestation de démarré sans le pat même t'annoncer de l'autre branche qui te déjà gain pour arriver yo te peut-être prend trop de temps et yo te tellement chauffé nan Carrefour aéroport yo démarré mais arrivé dans zone Telma 32. Manifestants yo te vle continuer vers Pétionville, la police te interposé, pas d'accord. Gon branche nan manifestation qui te tellement énervé contre comportement la police qui a dicté yo route pour yo faire et ben la police yo te gen des pierres qui te lancé en direction de la police en signe de protestation. La police s'y met gaz à profusion, tout le monde prend gaz, en pile gaz, bah, soudainement, pile tire tout pour te disperser foule là, et pendant de bonnes minutes, ça t'a duré en pile temps, en pile monde t'es peut-être découragé, yo t'es allé la caillou, mais gagné les irréductibles des nègres et femmes, asemte ouais, femmes nan yo tout, qui t'es déterminé. De temps en temps, ils ont laissé rassembler la police dispersée ou encore, mais gon foule quand même qui t'a gagné, notamment sénateur Yuri la Tortue, t'a gagné Assad Volsi, t'a gagné l'autre tout qui t'a prend tête groupe ça, qui t'a quand même dirigé vers Champ de Mars et encore dans Wikapoa, c'est même scénario là, la police s'y met gaz encore. Autrement dit, si gon moun qui crasait manifestation hier, là, le relais là, police n'ont vraiment pas comprendre comportement la police hier. En pile critique, nous t'étant de Pierre Espérance, qui même allait très fort, il dit des malandrins en dans institution qui comprennent que ils sont milices politiques yo gain et que yo capable de contrecarrer volonté peuple là pour manifester librement ça le gain pour le faire. Donc en pile critique par rapport à comportement la police, mais tout en bas la pluie et jusqu'à hier après-midi encore manifestation était aux abords du Champ de Mars qui était transformé en véritable champ de tir côté en pile gaz de continuer à bailler manifestants yo en colère qui t'a voyé wash en pile et m'ta kap dou devant de magasin qui recevoir en pile roche en signe de protestation gagnent yon militant qui t'est trouvé le bon côté et sénateur Yuri la Tortue qui recevoir un balle en caoutchouc et en caoutchouc donc malgré tout était déterminé et gagnent l'autre dirigeant qui t'est rejoindre dirigeant Sayo tant qu'au printemps Belizère et l'autre encore devant Champ de Mars donc bah la t'est duré jusque très tard dans l'après-midi, mais vraiment en pile critique pour la police. Non, ouais, pas de parole là, cap. La police là, cap, insisté pour le joindre nous, c'est certain. Tout à l'heure, nous prenons le gagnant pour le bail précision sous le comportement de la police qui unanimement
condamné. Et hier après-midi encore, dans Carrefour Tifou, gagné un autre gros incident qui pral passé côté gon citoyen, yo présenté comme un agent sécurité nan et ONA qui prend balle et mourit, gen de l'autre qui blessé et manifestant yo te déterminé gagné qui rapporté particulièrement que yo te ouais machine qui tirait hein, et yo te même suivre machine ça même suivre lui côté et yo te identifié même plaque d'immatriculation, c'est ça en pile militandine, yo din son RAV 4 rouge grenat qui immatriculé BB 98 471 qui t'a commet Zaksa nan Carrefour Tifou, c'est un moun qui en civil certainement, ou pas konn si c'est bon, yo di j'en ai ça t'es à l'aise pour le tirer hein. Il gagne loi son policier mais de toute façon c'est enquête qui a révélé ça qui passé à donc Rigueur Pierre Richard qui est identifié comme un agent de sécurité de l'Office national d'assurance vieillesse a été tué par balle hier après-midi par des individus armés circulant à bord d'une Toyota RAV4 de couleur rouge grenat noté joli. L'incident s'est passé dans la zone de l'avenue Christophe, plus précisément à Carrefour Tifou, au cœur de la capitale. Donc un monde mouri, deux blessés, c'est bilan attaque ça qui perpétré à l'avenue Christophe nan après-midi vendredi 20 septembre 2019 là par des individus armés. Donc nous baille information concernant et c'est après manifestation hein, et après manifestation pendant mon yo t'a retourné la caillou manifestation qui t'est faite pour te demander encore une fois départ président Jovenel Moïse sous pouvoir. Moun ki blessé yo te transporté au d'urgence à l'hôpital et jusqu'à hier et alors t'es un juge de paix qui t'est transporté sur les lieux pour le faire constat légal et cadavre là. Donc c'est en pile victime qui t'est gagné dans ce maintenant. Pas oublier gagné un petit bébé, un petit moun de 3 ans qui t'est prend balle. Fort heureusement la ville pas en danger dans corridor Bastia. Ça qui était la cause moun sa yo mobilise pendant combien de temps, nous pas oublier tout citoyen ça qui était mouri Carrefour et c'est fait de Vladimir jeune qui était sorti Chili parce que bagay yo pas trop bon qui rentré en Haïti et puis dans manifestation en début de semaine dans pays loc la police c'est bien que t'ai une tentative pour te retirer responsabilité à sous la police, mais c'est vraisemblablement c'est la police on t'a dit patrouille de commissariat Omega de Carrefour qui t'a responsable Zaksa, mais inspection générale de la police t'a agi promptement puisque yo gintan mette en isolement 4 des 5 policiers qui étaient dans patrouille ça, 5e nan introuvable jusqu'à présent, yo confisqué zamyo que yo remettre bay la DCPJ qui responsable enquête policière là. En attendant éventuellement que yo transféré au devant la justice civile, gagne un 5e qui déserté, qui courit que la police pas joine, qui pas présenté la convocation et inspection générale là ça poté moun yo kwè que citoyen ça gen droit c'est lui-même et qui tiré qui fait commettre zak silam. Alors donc c'est ça, c'est une grande confusion et manifestant yo qui déterminé hier yo dit que y a continué à faire lock là, y a pas plagué parce que
Oui, non, ok. Donc, gagné Léonard qui vous a dit, qui a demandé pour tout le monde qui était dans la rue hier. N'a pas dit au rendez-vous à ce Carrefour aéroport, n'a pas rassemblé, a fait 10 heures pour nous dire Nations Unies. Jovenel Moïse pas autorisé pour parler sous nom peuple haïtien. Hein? C'est Léonard, responsable rassemblement contre un rassemblé contre impunité qui voyait notre ça pendant nous dans micro. Oui, donc à manifestant qui prend rendez-vous encore gain de plusieurs villes qui annoncent manifestation demain dimanche là et sous tout coin dans pays. Alors vraiment gagner en pile l'autre sujet d'actualité pour et ce maintenant pas oublier gagner dossier premier ministre et premier ministre Fritz William Michel nous songer dans ce maintenant gagner particulièrement sénateur JP Chérubin du Sud-Est qui t'a fait une sortie que nous qualifier de sortie crabe. Quand pile l'autre collègue pareil, il y a l'autre collègue pareil, que ce soit au Sénat ou à la Chambre des députés qui semblait être appuyé, qui t'a demandé pour yo installer Premier ministre Fritz William Michel, en dépit du fait que le poco passé, il pas passé devant Sénat de la République là. JP qui dit que ça qu'a fait dans émission intersection dans semaine, là, nous dit, JP Chérubin, il a raté une occasion pour le faire bouche li parce que, en tant que sénateur de la République, nous comprenons très mal que c'est vous-même qui a dérobé ou de responsabilité, ou m'gon ouais sénateur, goumen, pour yo assumer charge, yo assumer mission, mon pas qu'a demandé pour moun pas vin devant, quand constitution a lui-même li très clair, et la constitution non amendée, et constitution amendée a qui dit que on moun a premier ministre, c'est l'or recevoir vote de confiance pour déclarer, énoncer déclaration de politique générale ou devant les deux chambres du Parlement, à savoir la Chambre des députés et le Sénat. Mais comprenne mal que c'est 11 sénateurs, mais comprenne moun dans l'opinion publique mandé, pas de problème avec dirigeants politiques, PHTK, etc., qui ka mandé, mais laissez ou même sénateur, même si ou t'es proche pouvoir ou pas ka. C'est comme si vous demandez peuple là, est-ce que vous avez besoin de continuer à payer puisque le travail vous avez bon faire ou dit président ka fait pour contre lui sans vous-même. Et de fait, nouvelle liste et dans l'édition hier là, qui citait un contact au Palais National qui dit que président Jovenel Moïse pas gain intention du tout pour le ta marcher dans logique JP Chérubin. Il dit et non jamais le président n'acceptera une telle proposition. Le président est prisonnier du Parlement, c'est ça le nouveliste rapporté, selon source dans le Palais National, il n'ira jamais à l'encontre des prérogatives du Parlement, écrit le journal Le Nouveliste sous demande sénateur JP Chérubin fait président. Et peuple a li, yote déterminé, m'tende yo qui dit un ben, si Jovenel capable, s'il gen couille, c'est pour installer premier ministre là et sénateur nous t'étendait ça. Don Kato qui t'a intervenu dans la presse dit depuis installer monsieur peuple là pour rentrer prendre dans primature. Donc il était décidé sous question si là puisque n'a parlé de premier ministre et Fritz William Michel en nous continuer puisque gagnait ensemble contre la corruption ECC. On structure qui regroupait des organismes de droits humains, tant qu'au cadre, centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, et gagné centre écuménique de droits de l'homme, gagné CJLAP, gagné CONAN, gagné CRISFED, gagné PAGE, gagné RNDDH, gagné SKL, centre Carl Levesque. Toute organisation ça qui regroupe une structure ensemble contre la corruption, qui était
Elles font travail à partir des révélations du sénateur Youri Latortue que le premier ministre a bénéficié en pile faveur dans l'État, gain délit d'initié, puisque dans la même structure, ministère que tel travail là, il y a une bonne bagaille qui fait en faveur, sans justification, cabride, cap-van, et exagéré. Alors, prix exagéré. Alors, SCC t'a mené enquête, non seulement il a rencontré les sénateurs, particulièrement qui étaient en possession de documents, il a rencontré moun andan ministère concerné pour sortir documents qui ont titré scandale et opération de corruption. SCC estime que Fritz William Michel n'est pas éligible au poste de premier ministre par arrêté présidentiel en date du 22 juillet 2019. Fritz William Michel est nommé premier ministre en remplacement de Jean-Michel Lapin. Ce dernier avait remis sa démission le même jour, s'étant rendu compte de son incapacité à passer l'étape de ratification au Parlement, notamment parce qu'il faisait partie du gouvernement démissionnaire et qu'au sein de son gouvernement se trouvaient plusieurs anciens ministres, dont certains étaient considérés comme des irritants. Au lendemain même de sa nomination, Fritz William Michel est indexé dans une affaire liée à l'alimentation d'un compte Twitter à partir duquel il analysait la situation sociopolitique du pays en général et tenait des propos haineux et désobligeants envers des journalistes haïtiens, des femmes, etc. Si l'excuse du faux compte avancé par le concerné semble avoir calmé la situation, aujourd'hui les scandales de corruption dans lesquels est indexé Fritz William Michel et dont a pris note par voie de presse Ensemble contre la corruption ont retenu l'attention du collectif. Le premier scandale percutant concerne la distribution de $500,000 américains aux 5 sénateurs du groupe des parlementaires pour le renforcement de la démocratie GPRD en vue de faciliter la ratification de sa politique générale après que celle-ci ait été votée lors d'une séance célèbre à la Chambre des députés. Le deuxième concerne l'affaire des cabris achetés, chacun à hauteur de 31 000 gourdes pour le compte de l'État. Face à ces scandales en cascade, SCC s'est procuré certains documents faisant état des actes de corruption perpétrés par Fritz William Michel et se propose de partager avec la population les conclusions de ces analyses et informations corroborant l'implication de Fritz William Michel dans des actes de corruption. Selon l'analyse des documents mentionnés, Fritz William Michel participe à la gestion et ou la direction d'au moins 5 firmes. Il s'agit de Caribbean Product and Services, dont il est le président directeur général, Express Transport, dirigé par son épouse Natacha Marsan, Fish Equipment, dans laquelle travaille son épouse Natacha Marsan, Asian Foods, dont le comptable Ouditouche Torchon est aussi l'administrateur de Caribbean Product and Services, Agrisol. Ces firmes, vraisemblablement de nature différente, fournissent souvent les mêmes services à un même ministère. À titre d'exemple, le 10 mars 2017, un chèque numéroté, nous pas besoin d'Ali, émis au numéro de Caribbean Product and Services, accuse un montant de 34 572 000 gourdes pour des travaux réalisés dans le sud pour le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Un autre chèque a été émis le même jour au nom de Haitian Food pour un montant similaire, soit 34 572 000 gourdes pour le même service fourni aux Marne et au profit du même département. Ça veut dire deux firmes qui gagnent même contrat pour faire même travail là, même montant. Ça a rappelé ça qui était passé avec firme Jovenel Moïsio pour route et boy là. SCC a aussi constaté que ces firmes sont sollicitées pour tout type de services. En voici quelques exemples pour l'exercice 2016-2017, des chèques totalisant et 104 367 000 gourdes ont été émis au nom de Caribbean Products and Services pour l'achat de boîtes de plumes, Sénat de la République, 30 tonnes de semences de maïs, outils agricoles, fournitures de bureaux, semences de sorgho, téléviseurs pour le dortoir des policiers, chaises de bureau pour les policiers, dessus de lit pour les policiers, classeurs pour les policiers. Caribbean Products and Services a aussi été payé pour
les services suivants, alimentation de personnes, Direction nationale du livre, service rendu à la Direction nationale du livre, travaux réalisés dans le sud, fête de l'agriculture et du travail 1er mai, amélioration des conditions de vie des habitants de la plaine du Cul-de-Sac, fourniture de bureaux pour l'inspection générale de la police nationale d'Haïti, 91 918 840 goudes ont été versés à la firme Fish Equipment pour l'exercice 2017-2018. Elle était chargée d'acquérir des caisses d'huile, semences d'haricots, outils agricoles, semences de maïs, outils aratoires, carte de blocs de reçus, semences, kit alimentaire pour le programme Coripep, semences et réparations pour la campagne d'hiver. Selon les documents analysés par ECC, des transactions similaires sont réalisées par les 5 firmes subventionnées. Elles sont payées par le même ministère, le MANDRE, pour les mêmes services et souvent aux mêmes dates. ECC a aussi retenu que Express Transport et Distribution, dirigée par l'épouse de Fritz William Michel, a reçu pour l'exercice 2016-2017 un montant totalisant 89 833 000 goudes et compte 49 151 000 goudes pour l'exercice 2017-2018. De plus, seulement pour le mois d'octobre 2017, à Grissol, une des firmes de Fritz William a encaissé 3 chèques totalisant 22 108 400 goudes pour fournir aux MAN des services, des semences agricoles, des outils agricoles, des caprines créoles. Fish Equipment, une des firmes dans laquelle travaille l'épouse de Fritz William Michel, a été payée pour fournir au ministère de l'Agriculture des caprins mâles et femelles pour plusieurs millions de goudes à Grissol. Et Fish Equipment intervenait dans le cadre d'activités réalisées par le gouvernement dans le sud. De même, Asian Food, qui partage avec Caribbean Product and Services, le même comptable a aussi été payé pour l'achat de caprins et de poulets. ECC estime que Fritz William Michel a violé systématiquement la loi du 12 mars 2014 publiée dans le Moniteur le 9 mai 2014 portant prévention et répression de la corruption. En ce sens, il a commis les infractions suivantes: abus de fonction, surfacturation, trafic d'influence, délit d'initié et prise illégale d'intérêt, respectivement prévus dans les articles 5.5, 5.8, 5.9, 5.11 et 5.13 de la loi subventionnée. Et puis, ECC, rappelez, article ça dit, par exemple, pour abus de fonction, il dit, dans article 5.5, l'abus de fonction est le fait par un agent public d'abuser de ses fonctions de son poste, c'est-à-dire d'accomplir dans l'exercice de ses fonctions un acte de violation des droits afin d'obtenir un avantage indu pour lui-même, une autre personne ou entité. L'agent public qui se rend coupable d'abus de fonction est condamné à la réclusion et à une amende de 200 000 goudes. Et ECC parlait aussi de surfacturation. Nous allons mettre son petit chaise bas comme ça. Trafic d'influence, délit d'initié, prise illégale d'intérêt. Conclusion, à la lumière des faits analysés, ECC en est arrivé à la conclusion sur laquelle Fritz William Michel est depuis des années à la tête d'une machine de corruption qui, au détriment de l'État, lui a permis de s'enrichir de manière illicite de concert avec son épouse Natacha Marsan et son frère Salomon Ashley Prudent. Au scandale en cascade relatif à la gestion d'un compte Twitter qui s'attaquait aux citoyens haïtiens dans un langage irrévérencieux et haineux, à la distribution de plusieurs milliers de dollars américains à des parlementaires, dont des sénateurs du GPRD, s'ajoute aussi la création d'au moins 5 firmes qui, avec la complicité de personnalités haut placées au sein du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, ont pu bénéficier de marchés publics pour des montants faramineux. ECC estime que l'unité de lutte contre la corruption, l'unité centrale de renseignement économique et financier, ainsi que le parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince doivent se saisir de ces différents dossiers. De même, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est tenue de se pencher sur le fonctionnement du ministère de l'Agriculture, sur le ministère des Finances, et qui semble être entendu pour filer de nombreux contrats de marché public aux firmes de Fritz William Michel. En attendant les résultats de ces enquêtes,
FCC estime que Fritz William Michel ne peut en aucune façon occuper le poste de Premier ministre pour authentification Gédéon Jean et Rosie Kessner Auguste Port-au-Prince le 18 septembre 2019. Et puis, l'autre fait dans l'actualité a gagné. Et selon information de rapporté, Tidjouet sa, Kente Oué, qui te prend place Kantav dans le Sénat, eh bien, Mamani, kap dit que depuis pratiquement 11 semaines, il y a 100 nouvelles de jeune homme ça. Les interventions président à la tribune des Nations Unies et c'est dans le cadre 64e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Thème en ANESA, c'est dynamiser les efforts multilatéraux pour l'éradication de la pauvreté, l'éducation de qualité, l'action contre le changement climatique et l'inclusion. C'est pral le 26 septembre et président qui prévoit retourner au pays et merci président qui prévoit pour le tourner dans le pays. C'est finalement une firme privée qui t'a pas fait travail là, mais il y a eu peur puisque mon yo t'a voué en pile roche et il y a eu bloqué rentrer ville là tout. Donc, c'est comme ça, situation, hein, t'ayé pendant toute journée et avant hier, dans ville Gantier. Et puis, en pile l'autre point que nous pas gain temps venir sur mais certainement n'a bien pour nous développer avec invité nous aujourd'hui, gagner des sénateurs, notamment Nenel Kassi, Yuri, La Tortue, Sorel, Yacinthe, Sorel, qui a tout, sénateur Moïse Jean-Charles, t'es dans manifestation hier. Alors, monsieur Sayo, qui t'a écrit une lettre tout l'ouvri pour président Sénat, côté, yo fixé en pile condition pour séance reprendre dans Sénat de la République, là, puisque nous connaît toute activité paralysée depuis scandale, côté, yo t'es accusé, gagnant et premier ministre là qui t'a distribué $100,000 by chaque dans 5 sénateurs et pour yo t'a voté en faveur dans Sénat de la République là depuis là toute activité paralysée. Alors monsieur Oté qu'on l'aide tout l'ouvri by président et Karl Mira Kantav notamment dans correspondance à Yodil pour lui mettre en sous pied et pour le demander commission éthique anticorruption que sénateur Yuri La Tortue lui-même a dirigé bal mandat pour lui enquêter sous question si là et opposons bonne l'autre condition encore pour séance reprendre en bas puisque toute activité au point mort depuis scandale si là au niveau du Sénat klaxonner, etc. pendant quelques minutes pour te cracher frustration. Yo, c'est des citoyens normal pour un peuple rester pendant tout le temps ça, pour se nan goumenye en bas pompe pour te joindre. On dit gaz, c'est vrai, gagné en premier cargaison de gasoline qui était rentré hier, moi, quoi, bon, l'autre cargaison de diesel, mais tout le monde était très inquiet. Pour combien de temps? D'autant que monde qui était vive expérience de semaine passée, au côté pas de gain gaz, il y a beauté, petit gaz qui vient là. Donc, c'est certain, nous risquons de tomber dans la même situation encore, d'autant que et compagnie ça yo plaignent que l'état ait avancé en 2 milliards de gouttes sous 8 milliards mais reste comme là resté intact. Débat sous augmentation ou pas prix gaz gande tests gande ballon des sectes lancé et pour essayer puisque à travers premier ministre Lapin dans rencontre li avec des syndicalistes après il était dit que gain possibilité peut-être pour pas ta moyen gasoline nan, ou du moins même retirer 4 gourdes éventuellement mais monter diesel là mais réaction pas faite
tan, puisque tout le monde dans le pays a dit main sou capable. Et bon source dans le palais national qui confirmait que pour qu'on y ait là, poko gen augmentation prix gaz en perspective, poko gen augmentation, mais yo continue à analyser puisque pouvoir non vrai dilemme, non dilemme puisque yo pas gen rien pour yo supporter, yo continue à douer et association professionnelle des produits pétroliers continue à douer yo. Et en même temps, yo pas gain suffisamment moyen pour commander gaz là. Et pas oublier ça crive en Arabie Saoudite en début de semaine deux attaques qui faites à l'aide de drones que des Yéménites revendiquaient, mais Washington pensait que Yémen pas gain moyen ça yo. C'est peut-être l'Iran même qui derrière question ça qui fait que la production mondiale en matière de pétrole diminué en pile et qui fait que la France et les États-Unis obligés puiser dans propre réserve pour desservir le marché mondial là pour pas créer un gros déséquilibre pendant combien de temps. Donc c'est certain que nous pral ressenti bagaille ça pas Borisite prix gaz là, prix et l'or noir pral monter sur marché international là. À qui rien pas Borisite n'a pas supporté question ça. C'est tout ça nous pral wè dans l'émission ramassé matin. N'a pas observé une courte pause puisque avec invité nous gen là nous presque gen quorum nous ka commencer n'a tourner tout de suite après.